Épilogue. 15 années ont passé comme un souffle. Muriel s'est mariée, elle a épousé un instituteur, Monsieur Mitchell. Ils ont eu un enfant, une fille. Madame Brown est morte, la maison du Pays de Galles a changé de propriétaire. Les lettres adressées à la famille Brown retournent à l'expéditeur. 15 années. La terre de France est pleine de cadavres et de morceaux de fer. Plusieurs millions d'hommes sont morts dans une guerre dont on a déjà oublié les raisons. Quinze années. En même temps qu'un collège de petites filles, Claude visite aujourd'hui le musée Rodin. La statue de Balzac est enfin reconnue et admirée de tous. Claude entend derrière lui des exclamations en anglais, celles des petites collégiennes qui visitent la France. En les regardant, il revoit la photographie de Muriel à 10 ans et il cherche Dieu sait quelle ressemblance. Et si l'une d'elles était la fille de Muriel en vacances à Paris? Celle-ci? Celle-là? Ou bien cette petite rousse? Claude les regarde tout en marchant. Il pourrait aller au-devant d'elle, leur demander « L'une de vous est-elle la fille de Muriel Brown ?» Non, ce n'est pas la peine.